Bonjour. Voilà, si tu peux la guérir là, ça serait super. Ouais. Je suis devenu vertébré, Vera. Attention. Hein. Ah, bah alors ça veut dire bonne nouvelle. Oui, bah c'est pour ça que je t'invite à me suivre. Ouais, je sors du gouvernement. D'accord. Et bah. Oh, ça sent l'entreprise. Peut-être. Peut-être pas. Non, je rigole. Oui, donc c'est bon, ça a été accepté. Il va falloir qu'on aille. Oh, alors, génial. Beaucoup de trucs à faire par contre. Hein. Mais c'est super! Tu peux lever les bras, s'il te plaît? Bah, ça m'a l'air correct, oui, oui, la tenue te va très bien. Merci. Enfin, j'aurais plutôt dit tu vas plutôt bien la tenue, mais bon. Charon, tu peux t'appeler Ali? Oui, bien sûr. Bah, moi, par exemple, tu peux peut-être m'appeler Luda ou... En tout cas, toi, tu as les tenues du concessionnaire? Ouais. Nous aussi on veut des voitures. Bah si on travaille bien on pourra. Allez, fais tomber une voiture pour qu'on puisse la prendre, monsieur. Oh, surtout l'orange là, là. Grave. Je dirais pas non. Tu donnes. Bah moi par contre je vais me changer. Toi tu vas te changer ou pas? Oui. À ça, partir on du va moment où ils utilisent les véhicules de l'entreprise, il faut se changer. C'est plus pro. Bah là apparemment, alors je sais pas aussi, hein, je sais pas bien. On va bien trouver. Je descends pas tout de suite. Ah mais attends, là il y a une serre. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Descends surtout pas. Je vais me mettre par derrière. Ça sera plus pratique. Ok. Bah, on va y aller. Oui, chef. Ouais, tu peux m'appeler maître si tu veux. Oui, maître. Alicia, c'est toi qui as parlé là? Oui. Ah, ça m'a rappelé quelque chose, mais je n'ai pas connu ta voix là. Alicia Brooke, co-PDG du White Widow. Ça sonne bien quand même. Hein. Merci. Trouve pas? Bah, si, grave. Alors, règle numéro 1. Le patron a toujours raison. Donc, s'il dit que ça sonne bien, c'est que ça sonne bien. D'accord. D'accord. Règle numéro 2. Si le patron a tort. Tu veux la suite ou pas? Non, je sais pas, mais tu vas me dire. Se référer à la règle numéro 1, c'est ça. Bah, par contre, sache que si t'as tort, je te le dirai. Non! Ah bah non, c'est pas dans les règles, dans le règlement, c'est marqué que vous serez prêt à la première. Ah bah voilà, ouais, c'est ici. Ouais, c'est juste là. Descends pas. Medical marijuana. Ce soir, y aura de la bonne. Oui. Ça te dit, une fois qu'on a compris comment fonctionne l'entreprise, je t'invite à boire un petit verre pour fêter ça. Mais oui. Tu veux bien? Mais bien sûr. Voilà, puis on parle de l'entreprise ou on peut parler d'autres choses si tu veux. Ah, au revoir. On peut parler de notre future deuxième entreprise. Ah bon? T'as déjà un autre projet? Non, je rigole. Non, c'était une blague pas drôle. Ouais, parce que là, j'allais dire, c'était déjà beaucoup là. Non, mais j'aurais une entreprise où peut-être on pourrait, que toi et moi, de temps en temps, se boire un verre, se manger un petit morceau, faire une balade, ou autre chose, ce que tu veux, enfin, voilà. Ouais, t'as un petit projet caché, quoi. On peut dire ça. J'ai une blague un peu bizarre. Vas-y. L'entreprise, elle est cachée, mais elle va pas être cachée. Il a fait ça de l'acte de nerf, du coup. J'ai déjà mangé dans un restaurant africain. Et ouais, il y a des petits repas que j'aimais bien, moi. Genre, tu vois, le mafé, le tiep. Je me rappelle. Ah, mais ça, c'est du traditionnel. Ouais, je me rappelle le cuisinier, quand je lui demandais, il me disait tout le temps hey, du bon mafé, là. Il me disait ça à chaque fois. Ouais. Je fais bah oui, s'il vous plaît. Ah, c'est meilleur que les burgers. C'était bon, hein. Tu vois pourquoi à chaque fois que j'en mangeais, je me levais de table et je dansais. Et je me disais, le poulet c'est trop bon, le poulet c'est trop bon. Le poulet c'est trop bon. Je vais dire que j'ai fait ma première fois avec toi. Tellement content. Tellement fier. C'est tellement bizarre comment tu dis ça.
Bah, c'est la première fois que je fais un run, j'avais jamais fait de run de CV d'avant. Oui, bah moi non plus, mais... Donc toi aussi c'était ta première fois? Ouais. Alors, heureuse? Ah, très. Bah moi aussi, franchement. C'est comblé. Ah, bah ça fait plaisir. Vous avez pris un petit rendez-vous pour un numéro fiscal, ça je sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, je pense que c'est pour le recensement de votre entreprise, entre autres. Ça doit être ça, oui. Voilà. Du coup, si vous voulez, je suis disponible au gouvernement. D'accord, bah j'arrive tout de suite alors. Ça marche, je vous attends. A tout de suite, monsieur. Bonjour. Bonjour. Et bonjour, bonsoir, messieurs, dames. C'est le White Widow. Là, le White Widow, oh, vous venez à deux. Vous êtes patron ou copatronne? C'est ça. C'est ça. Ah, incroyable, venez, on va s'occuper de ça. vous avez déjà un avocat du coup? Pas encore, c'est ce qu'on non, va aller faire sûrement dans la soirée. D'accord, d'accord. Voilà, on a beaucoup de choses à faire. C'est ça quoi, c'est le premier truc, le départ, les recrutements et tout ce qui va arriver. D'accord. Ah oui. Oui, oui, là c'est le premier, mais à ce qu'on voit, on est très bien entouré, on ne s'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc déjà, vous devez normalement avoir à disposition des clés de billard qui se trouvent ici. D'accord. Du coup, je vous laisse en récupérer une. D'accord. Voilà, une fois que vous avez la clé de billard, bah, du coup, vous pouvez sélectionner du coup la partie que vous désirez jouer. D'accord. Ah oui, on peut jouer à plusieurs jeux. Ah, c'est trop bien. Bien sûr. Bon, j'ai un petit problème sur mon billard, voyez-vous, mais bon, c'est pas trop gênant, mais... What? Ah, c'est génial. Personnellement, j'ai fait... Ah ouais. Bien joué. Vous avez mis la blanche dans le trou. Bien joué. Ah là, on est bien. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, monsieur. Alors, nous deux, on aimerait passer le permis camion, si c'est possible. On a le permis voiture déjà, pas de souci. Ouais, alors je vous demanderai juste une de me présenter vos licences. Ah oui, oula. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est moi ou je crois qu'on a eu un pneu de crevé. Bonsoir. Alors, on a eu un petit problème avec le pneu du camion. Oui, je suis venu vous voir tout à l'heure. Ouais, ce que je me disais. Enfin, votre tenue, mais pas inconnue. D'accord. Du coup, là, actuellement, c'est ça. Je suis en train de faire passer un permis poids lourd. Et juste conduisez après, et le pneu il a explosé, on n'a pas trop compris. T'es pas touché ! Vic Bishop. C'est ça, c'est moi-même. Pour un permis camion. Alors, ça, c'est pour vous. Merci beaucoup. C'est un des blues de l'ancienne génération qui a survécu. Ouais, parce que moi je me suis réveillé, il n'y avait plus personne. Et du coup, bah, j'étais allé, hein, je vais survivre. Hein. Et puis, bah, j'ai fait ma vie, quoi. Ouais, non, je te comprends, bah, t'es pas... Bah, je suis contente que toi, c'est cool, tu vois. Je comprends, écoute, y'a pas de soucis avec ça. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Aya. Oui, pour donc, aller... Tout à l'heure, t'as flippé, hein, quand y avait le mec qui me parlait. Hein. Bah, ouais, je voulais savoir... T'es trop mignon. Oh, et non, là. C'est parce que, en fait, en gros, comment t'expliquer. Je suis dans un quartier, tu vois. Ouais. Et c'est un gang qui gère le quartier. D'accord. Mais t'es quoi tu fais partie du gang ou... Non, j'y vis. Mais d'accord. Et en fait, beaucoup des membres du gang sont partis. D'accord. Ils sont suicidés, tu vois. On sait pas pourquoi, mais c'est un peu bizarre. D'accord. Et moi, je croyais qu'il y avait plus personne. Mais apparemment, le gars que t'as vu, il a survécu. Donc du coup, il m'a dit qu'il était content de me revoir. Ouais, mais ça, il avait Il a eu peur que moi aussi, j'étais pas là. Alors je lui ai dit non, pas du tout. Moi, je fais pas partie du gang, donc chacun fait sa vie. Ouais. Et du coup, il m'a dit que de toute façon, si j'avais le moindre problème, il était là. Tu vois, un mec gentil, quoi. Bah, il avait l'air d'être super sympa. Il m'a dit que j'avais une très belle voiture. Ouais, il est cool. Mais j'ai remarqué... Ça se voit. Comment dire? Ça se voit pas que je viens d'un quartier. Mais quand un quart du quartier me croise, il sait direct que je fais partie du quartier. C'est fou. Tu peux dire quelque chose que tu disais que ça va? Vas-y. Quand tu es un peu énervé, ça se sent que tu viens d'un quartier. Ça me vexe pas. D'accord. Je vois des fois quand t'as un peu contrarié, c'est.
Tu veux en découdre? Ah bah ouais, j'ai du caractère, je sais me défendre. Frappe-moi, je t'empoisonne. J'ai entendu cette chanson il y a pas longtemps. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je l'ai trouvé bien. De quoi? Oh là, oh les, ah la 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 la, cha 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 cha. Ça doit être, je suis pas sûr, on dirait du portugais. Je sais pas. Ou du mongolien. Ah mais c'est pas. En tout cas, c'est latino, mais d'où, je sais pas. D'accord. Et je sais pas ce que ça veut dire, mais je m'en fous, la musique elle est trop bien, elle bouge et tout. Ah mais après, moi je parle pas ces dialectes obscurs. Non mais moi je les parle pas non plus, c'est pour ça que je te dis, je sais pas ce que ça veut dire. D'accord. Et pourquoi obscur? C'est une langue comme une autre. Je sais pas, si encore une fois, c'est mes parents qui m'ont toujours dit ça. Ah ouais? Oui. Pas dans le Nord alors, hein. Ils avaient des traducteurs et ils voulaient pas apprendre des autres langues que l'anglais. Ah bah oui. Et ils disaient qu'ils avaient assez d'argent, qu'ils avaient pas que ça à foutre de se prendre la tête. Et il y avait le petit personnel pour faire ça. Ah oui, d'accord, je vois la mentalité. Ah oui, je pense pas que tu serais bien entendu avec eux. Déjà moi je m'entendais pas bien avec eux. Donc, mes parents étaient assez détestables, je vais pas te mentir. J'avoue. Alors là, si tu savais que tu me ferais... Enfin, que tu travaillais avec moi et tout ça, tu vois... Pour info, si ça s'apprend, je suis déshérité. Ah d'accord, ok. Bah, très bien, ok. Tu veux connaître la suite ? Abonne-toi.